Bonjour à tous, ça va bien, ça va bien. Je pense que naturellement vous avez déjà étudié les autres religions. Aujourd'hui, nous irons apprendre une autre question très importante. Il demande les choses que les personnes aiment manger. La question est, qu'est-ce que vous aimez manger? Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que já tenham visto as lições anteriores, né? Hoje vamos aprender uma pergunta muito interessante, é perguntar as coisas que as pessoas gostam de comer. E a perguntinha que nós vamos fazer então é, o que você gosta de comer? Qu'est-ce que vous aimez manger? Vamos ver como é que se faz isso, pessoal? Vamos lá? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez manger? O que você gosta de comer? Com essa perguntinha, nós podemos colocar vários contextos, né? Por exemplo, J'aime beaucoup la cuisine française. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'aime beaucoup la cuisine française. Eu gosto muito da comida francesa. Eu gosto muito, amo gostar, né? Muito da cozinha, da culinária francesa. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'aime une délicieuse cuisine chinoise. J'aime une délicieuse cuisine chinoise. Eu adoro uma culinária gostosa chinesa. Eu gosto muito de comida chinesa deliciosa. J'aime une délicieuse cuisine chinoise. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'aime manger de la nourriture italienne comme la pizza. J'aime manger de la nourriture italienne comme la pizza. Eu gosto muito de comer comida italiana, como por exemplo pizza. E aqui, j'ai mangé des fruits comme la pomme. J'ai mangé des fruits comme la pomme. Eu adoro comer frutas, como maçã. J'aime manger des fruits comme la pomme. Significa maçã, pomme. Eu gosto de comer frutas como maçã. Ok? Vamos virar então, vamos virar a página aqui, pessoal. Vamos virar a página. Então nós temos a perguntinha famosa, né? Já vimos, né? Como é que você pergunta o que você gosta de comer? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez manger? Vamos continuar o contexto então, pessoal. Vamos continuar o contexto aqui. Poderíamos fazer mais alguns contextos. Por exemplo, se você me perguntar, qu'est-ce que vous aimez manger? Eu poderia dizer, j'ai mangé de la viande et salade. J'ai mangé de la viande et salade. Eu gosto de comer bife, ou seja, carne, né? E salada. Eu gosto de comer bife com salada. Poderia ser assim, né? Qu'est-ce que vous aimez manger? J'ai mangé du poulet et des œufs. J'ai mangé du poulet et des œufs. O que você gosta de comer? Eu poderia dizer que eu adoro comer frango, du poulet. E des œufs, que significa ovos, ok? Então, de novo, né? A gente não diz aqui, né? Já vimos em alguns momentos, né? A gente não diz eu gosto de comer carne, não gosto de comer bife, sim, do bife, né? Que a gente dá a ideia de que não está comendo todo, né? Toda a carne, sim, parte dela, da mesma coisa aqui do frango, né? Ok? Qu'est-ce que vous aimez manger? J'ai mangé de la viande, de salade, j'ai mangé du poulet et des œufs. J'ai mangé du riz avec du poisson. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'ai mangé du riz avec du poisson. Eu gosto de comer arroz, du riz, avec du poisson. Significa peixe. Aí nós poderíamos traduzir como arroz com peixe. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'ai mangé du fromage. J'ai mangé du fromage. J'ai mangé du fromage. Eu gosto de comer queijo. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'aime manger des gâteaux avec jus d'orange. J'aime manger des gâteaux avec jus d'orange. Você gosta de comer? Bom, eu gosto de comer bolo com suco de laranja. Ok? J'ai mangé deux gâteaux avec jus d'orange. Então, vamos revisar isso, pessoal. Vamos lá? Se alguém perguntar para você o que você gosta de comer, você tem aí várias opções, né? Qu'est-ce que vous aimez manger? J'ai mangé de la viande et salade. J'ai mangé du poulet et des œufs.
J'ai mangé du riz avec du poisson. J'ai mangé du fromage. J'ai mangé des gâteaux avec jus d'orange. Alors, mes amis, n'oubliez pas d'étudier cette leçon. Au revoir, au revoir.